Je m'appelle Julia, je vais commencer l'histoire de l'oiseau. Il y a un oiseau qui allait aux chambres. Elle veut coucher, alors elle a franchi ses dents. Elle va aller au dentiste ce matin. Alors, son oiseau, il porte de dentiste. Il croit que c'est peur. Alors, il va aller au sa maison, il est peur parce qu'il doit aller au rendez-vous dedans. Alors, il doit aller au sa maison. Il veut aller dans sa maison? Non, il ne peut pas aller dans sa maison. Il doit rester au dentiste. Il va marcher trop vite. Alors, il dit oh. Alors, elle a j'aime son maman. Elle va aller au dentiste. Il a peur. Alors, quand il a peur, il est allé aux maisons. Elle n'a plus de jouets. C'est ça que, à fond, aller dans le dentiste, après quand t'es prêt, tu peux voir un surprise bouger dans ta maison. Dans ta maison, c'est trop fun. Elle a beaucoup de jouets. Elle a tout rempli, alors, est-ce que où? Son maman, elle a caché pour, il doit aller au dentiste. Elle a déjà vu qu'il l'a caché où? C'est au bas, là-bas. Alors, elle a trouvé, après, son mère, elle a dit, tu dois aller dentiste se promener pour te radier. Quand tu mets une, ça va exploser ta maison. Alors tu dois aller dentiste et jeter tes cadeaux. Alors quand il jette son cadeau, il doit aller en bas de son maison de grand-mère. Il doit aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Alors sa maison de grand-mère, c'est trop, trop loin. Alors elle n'arrive pas. Il dit, maman, que c'est fini. Alors elle a dit non, elle est trop chaude. Alors, elle a dit sa mère pour ouvrir la fenêtre. Maintenant, elle est arrivée. Il est trop chaud dans sa maison. Alors, elle a tout sali de maison de son grand-mère. Elle a ramené beaucoup de sang, son frère de oiseau. Son grand-mère de oiseau, il a une lunette, un chapeau, un gant, un moto. Elle va sortir dehors avec sa soeur. Alors, qu'elle sortit avec sa soeur, il va aller au voiture. Même un bain. Oui, un bain, tu as raison. Alors, un bain, ça va aller dedans de maison. Dedans de maison, il ne doit pas salir. Parce que sinon, le maman, il va fâcher. Il ne va pas avoir beaucoup d'argent. Parce que quand son maman a déjà fini le travail, alors, il doit travailler encore? Non, il est fatigué. Quand on travaille encore, ça va finir le travail, on ne peut pas aller. Tu finis de travailler, quand on finit le travail, on doit faire encore travail. Alors, son grand-mère, elle a déjà fini son travail. Elle a donné à son soeur l'argent. Elle a acheté beaucoup de surprises, alors elle a acheté beaucoup de surprises. Elle a acheté quelque chose, un couteau. Alors, il pense que c'est un couteau de jouet. Mais c'est un vrai couteau. Alors, elle a coupé dans sa main. Sans tout son famille, il a dit, oh, c'est dangereux. Non, il ne faut pas faire. C'est dangereux. X. Enfin, c'est juste pour les mamans. Les mamans peuvent faire parce que les mamans, elles ne font pas dangereux. Il fait attention. Alors, quand il fait attention, il va aller prendre un couteau, mettre dans un haut, trop en haut, parce que sinon, il va le prier. Oui, sinon, alors, il fait quelque chose de dangereux. C'est, après, il va tomber comme ça. Quand il va tomber comme ça, il va pleurer trop mal. Alors, il va avoir un poussement. Dernier, il a beaucoup de poussements dans son corps. Même dans son face. Parce qu'elle a fait quelque chose de dangereux. Elle n'a pas écouté le dentiste. Le dentiste, il a dit, proche tes dents toujours. Elle a dit, non. Elle n'a pas écouté le dentiste. Le dentiste, il a raison. Alors, l'oiseau, il n'a pas raison. Il doit brancher son dent. Elle a dit, oh, je t'approche les dents. Je couris. Ah! Mon dent, elle n'est pas là. Alors, elle n'est pas là. Elle est triste. Et sa mère, elle a dit, oh, fine. Alors, elle est dans la maison de sa grand-mère. Elle a ramené. C'est juste comme ça. Bye bye. You have to subscribe and hit the like.